Donc je suis Pierre-Yves David, je travaille sur Mercurial depuis 4 ans. Je suis employé par Facebook qui m'envoie gentiment venir vous parler ici et qui me paye aussi gentiment pour travailler sur Mercurial à plein temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment Mercurial utilise Python en particulier pour profiter d'un certain nombre d'avantages que Python offre et contourner un certain nombre de problèmes que Python a, en particulier au niveau performance. Donc ça va surtout parler de Python à partir de choses qu'on fait dans Mercurial, mais assez peu de Mercurial. Juste pour replacer les choses en situation, Mercurial est un système de gestion distribué, donc un système de gestion de version comme CVS, Subversion, Git, et distribué comme Git. Ça a été créé en 2015, 2005, donc maintenant ça a 10 ans, ce qui fait une certaine codebase avec pas mal de code qui est vieux et qui a un certain nombre de problèmes. On a eu le temps de faire plein d'erreurs. On a beaucoup beaucoup de lignes et on est utilisé par des gens comme Mozilla, Facebook, Google est en train de nous utiliser. Python nous utilise encore, mais plus pour très très longtemps. Et on a un certain nombre d'utilisateurs un peu partout. Alors, c'est un outil qui est écrit principalement en Python. Est-ce que c'est assez performant de faire des outils en ligne de commande à grande échelle comme ça en Python? Et quels sont les avantages au niveau facilité et flexibilité du langage? On va commencer par parler des performances. Alors, on va commencer par parler du début. La première chose qu'on fait généralement quand on écrit du Python, c'est qu'on fait des imports. Et ce qui est bien avec les imports, c'est que en fait, c'est souvent très très lent en Python. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles c'est très lent. Il y a des modules qui vont être plus ou moins lents à importer. Selon le système, ça va être plus ou moins lent à importer. Mais donc un bon exemple, c'est si vous importez le module qui permet de faire des wheels pour compiler votre paquet, ben, ça vous prend à peu près 1 seconde. Donc si vous avez un outil en ligne de commande qui va mettre 1 seconde à importer les modules dont il a besoin pour pouvoir démarrer, ça va pas être une très bonne expérience. Alors il y a plusieurs moyens de jouer avec ça. En gros, la logique d'import de Python, ça va être, on va prendre tous les éléments qui sont dans le sys.pass. Le sys.pass, ça va être rempli par le système de divers manières ou avec des variables d'environnement. Et pour chacun des éléments dans le sys.pass, quand on essaie d'importer un module, le module Toto, on va regarder si le fichier toto.pyxc existe, le fichier toto.py existe, si le fichier toto.so existe, si le fichier .egg ou .zip, enfin plein de choses. Donc on va chercher plein de fois dans le système. Et s'il existe, on va l'ouvrir, le parser et faire des choses avec pour construire le code qui est effectivement dans le module. Donc plus vous avez de choses dans le sys.pass, plus ça va être long. Ce qui est un des premiers problèmes. Donc une des solutions que Mercurial fait pour lutter contre ça, c'est au moment où Mercurial s'installe, il va calculer où est-ce qu'il s'installe, et l'exécutable Mercurial va dire, OK, le truc où je suis installé, je vais le mettre au début du Python Pass, comme ça le premier élément, le premier endroit où on va chercher mes modules, on va les trouver et on va éviter de parcourir des tonnes de dossiers où on va ne pas trouver les fichiers. Un des autres avantages, c'est que si vous avez plusieurs installations différentes, vous êtes sûr que vous allez chercher au bon endroit d'abord. Parce que si vous l'avez installé à la main et puis votre système en a un, vous allez pouvoir avoir un exécutable qui va trouver des modules qui ne sont pas les bons modules par rapport à ce qui est installé et avoir des problèmes. Donc en sachant où il est installé et en se mettant au début du sys.pass, on a plus de performance et on est sûr de trouver la bonne installation, enfin, la plupart du temps. Là, c'est le moment où je vais dire du mal de Setup Tools parce qu'il faut toujours que je dise du mal de Setup Tools dans mes confs. Il y a une autre logique d'initialisation de Python qui est quand on démarre Python pour savoir comment le sys.pass va être construit. On va regarder tous les éléments qui sont déjà dans le sys.pass et tous les fichiers qui finissent par .pth dans le sys.pass, on va les exécuter. Donc à chaque fois que vous lancez Python, vous lancez plein de code un peu random qui traîne dans votre sys.pass. Et ce truc-là peut modifier le sys.pass pour ajouter d'autres choses, ou même faire des gros calculs, ou aller lire des fichiers sur disque. La plupart des choses sont assez raisonnables, mais il y a des modules qui font des choses très bizarres. En parlant de modules qui font des trucs très bizarres, Setup Tools, avant, maintenant il est beaucoup plus raisonnable, installait des .exe.
Les points .exe, en fait, c'est un gros fichier ZIP qui contient tout votre module Python. Et donc, il n'est pas directement importable par Python pour ça. Il installe aussi un point .pth qui va aller modifier le sys.path. Donc, pour chaque module que vous installez, vous avez du code qui s'exécute, vous augmentez la taille de votre sys.path qui va augmenter votre temps d'import. Moralité, plus vous installez de modules sur votre système, plus vos imports sont lents, ce qui commence à poser un certain nombre de problèmes. Et ce qui arrive à la conclusion que Python c'est bien, mais quand les autres l'utilisent, c'est moins pratique. Donc, ce qui n'est pas top. Mais ça s'est beaucoup amélioré entre temps. Les environnements virtuels, ça va toucher le sys.path et poser ce genre de problème, mais ça dépend. Il y aura une séance de questions à la fin. Une autre chose, c'est que les scientifiques disent qu'un programme n'utilise que 10% de ses imports. En pratique, quand on est un outil en ligne de commande, Merkle sait faire plein de choses, ça sait parler en HTTP, ça sait faire un peu de crypto, ça sait faire du SSH, ça sait faire plein de trucs, mais chaque commande va généralement faire seulement un petit sous-ensemble de ce que Merkle sait faire, et les commandes qu'on lance très souvent, elles vont faire un ensemble très petit. Du coup, lancer le programme et importer toutes les choses dont Merkle a besoin, ça va être assez long. Donc pour ça, on a un système d'import par SE. À chaque fois que vous faites import Toto, on ne va pas en fait chercher le module Toto et importer le code du module Toto. On va se rappeler que quelqu'un veut importer Toto. À la place, on va retourner un petit objet qui dit « je suis le module Toto mais qui n'est pas encore importé ». Et la première fois que quelqu'un accède à Toto, on va aller effectivement chercher le module et on va effectivement charger tout le code et remplacer tous les endroits où Toto était importé par cet objet, par le vrai module. Et on va pouvoir continuer à travailler comme ça. C'est une idée qui est bien, qui est assez pratique. Et du coup, ils l'ont mise dans Python 3. Enfin, à peu près. Il y a une classe quelque part dans un module obscur de Python 3 qui permet de faire de l'import relatif. Ça ne marche pas tout seul, il ne suffit pas de dire « je vais faire des imports paresseux » et subitement tous vos imports vont être paresseux, il faut lancer des fonctions à la main pour dire « je veux charger ce module de manière paresseuse ». Mais c'est vachement plus facile de reconstruire toute la logique qu'on a faite pour Python 2 dans Python 3. On va passer à un autre aspect de Python qui est tout ce qui est accès des variables. Python est principalement construit autour de dictionnaires. Le dictionnaire, c'est un truc avec une clé et une valeur qui peut grandir en taille un peu n'importe comment. Quand vous avez des variables, vous avez généralement trois endroits où vous pouvez avoir des variables définies. Vous avez les variables locales qui sont dans votre fonction. Vous avez les variables qui sont au niveau du module et les variables qui sont globales. Donc à tout moment, vous avez un dictionnaire pour les variables locales. Ce n'est pas toujours un dictionnaire, mais pour faire simple, ce sera un dictionnaire. Un dictionnaire qui contient toutes les variables qui sont au niveau du module et un dictionnaire qui sont au niveau pour tout ce qui est variable globale, qui sont accessibles partout. Donc à chaque fois que vous demandez une variable, Python va commencer par regarder si elle est dans le dictionnaire local. Si elle n'est pas dans le dictionnaire local, il va demander au dictionnaire du module. Et s'il n'est pas dans le dictionnaire du module, elle va demander au dictionnaire global. Et si elle n'est pas là, il va dire « la variable n'existe pas ». Mais il va quand même demander à toutes ces étapes à chaque fois, en commençant toujours par le premier, forcément. On a à peu près la même logique pour les objets, où quand on veut accéder à l'attribut d'un objet, on va commencer par demander si le dictionnaire de l'objet l'a. Si le dictionnaire de l'objet l'a pas, on va demander à un dictionnaire de la classe, et puis on va demander à un dictionnaire de la classe parente, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au bas de la pile d'héritage, et si c'est pas là-dedans, on dit que l'attribut n'existe pas. Mais on va quand même passer à travers toutes les étapes, et on va quand même commencer par le premier à chaque fois. Et à chaque fois qu'on cherche une variable dans un de ces dictionnaires, ça prend un peu de temps, en fait. Donc, il y a un certain nombre d'astuces autour de ça. Si, par exemple, on écrit du code naïvement comme ça, donc on a un objet L qui a un attribut L qui contient une liste. Donc, on veut rajouter des choses à cette liste. Et puis, du coup, on dit objet.L.append mon code. Ça, c'est bien, mais ça veut dire qu'à chaque itération de la boucle, on va demander à l'objet L, à l'objet, si, quel est son attribut L, donc on va faire une recherche dans le dictionnaire. Alors qu'on peut écrire un code où on récupère L d'abord,
tout cela n'est pas à jour, c'est pas grave. On récupère L à l'extérieur de la boucle, et du coup on a besoin que de récupérer la variable L plutôt que récupérer la variable objet, puis l'attribut L de la variable objet. Donc sur cet exemple-là, rien que sortir L de la boucle, ça permet d'avoir une amélioration de vitesse de 20%. On peut aussi aller encore plus loin, parce qu'à chaque fois qu'on fait L.append, append c'est une méthode, et donc on va aller chercher la méthode append sur l'objet L. Donc sur des boucles qui sont assez critiques comme ça, on peut directement aller chercher la méthode dont on a besoin, directement l'appeler sur la valeur dont on a besoin, et on a de nouveau une grosse accélération parce qu'on n'a pas besoin de faire cette recherche d'attributs à chaque fois. Donc à partir du code de départ, on a un code qui va deux fois plus vite, juste en allant chercher des choses au début. Et sur des vrais codes en vraie utilisation d'un MercurL, on a des améliorations sur la commande au niveau de l'utilisateur qui sont de l'ordre de entre 5 et 10% en fonction de ce qu'on fait avec ce genre de méthode. On a parlé aussi des variables avec la recherche au niveau module, local, tout ça. Donc la même chose s'applique. Max, c'est une fonction très pratique de Python qui est une variable globale et qui permet de retourner le max entre deux objets. Mais c'est quelque chose qui est global. Donc à chaque fois qu'on cherche max, en fait, on va d'abord chercher localement, puis au niveau du module, puis on va finir par le retrouver. Ce qui fait que juste en définissant un max qui est local et qui est la même chose que le max qui est global, on peut avoir sur ce bout de code-là une amélioration de 15% en performance parce que la recherche de max est toujours beaucoup plus rapide parce qu'elle est locale. C'est des bouts de chandelle, mais au final, on peut avoir des bouts d'amélioration qui se comptent en vrai pourcent sur des choses que l'utilisateur voit. On peut pousser le vice un peu plus loin. Donc on a toujours cet objet L, qui a une variable L, qui est cette fois-ci un set. L'objet fait probablement beaucoup d'autres choses, le slide est petit. Donc, on forward globalement, quand on se demande si quelque chose est dans l'objet, on forward. Et après, on fait une boucle bête où on demande si quelque chose est dans l'objet. Ça, c'est bien. Mais en fait, si on pouvait utiliser directement le contain du set, là on est obligé de faire une danse assez drôle parce qu'il y a plutôt un comportement un peu drôle. Mais si globalement on remplace la classe de cet objet pour dire que la méthode qui permet de savoir si l'objet est dedans est directement l'objet du set, donc on n'a pas besoin de faire le double appel de fonction et la double recherche, on a une amélioration de performance qui est très sensible en zappant toute cette recherche. Et on peut aller encore plus loin en combinant les deux choses qu'on a faites. Si à la place de laisser Python se dire que comme c'est x in y, et bien il va falloir aller chercher de la méthode contains et qu'on la précharge au début pour lui, on peut avoir au final une amélioration de 75% pour toute cette danse de contenance. Ce qui permet, sur des choses qui font beaucoup, beaucoup d'opérations de base, aussi pareil, de gagner du temps. Après, il y a des choses beaucoup moins subtiles, mais que tout le monde n'a pas le réflexe d'avoir. Il y a un certain nombre d'objets. Si vous faites des opérations avec des objets, c'est mieux de les faire, de modifier l'objet plutôt qu'en créer des nouveaux. Donc, si vous avez deux listes et que vous les additionnez, si vous avez juste deux listes et que vous les additionnez, vous allez en fait créer une troisième liste et copier toutes les valeurs de vos listes, ce qui prend du temps. Donc il faut plutôt utiliser les méthodes qui permettent de modifier les listes sur place. Ça devient plus compliqué de faire des opérations en place pour les choses qui sont immutables comme les chaînes de caractères, mais généralement Python a des solutions pour faire des choses plus intelligentes. Dans la version avec des chaînes de caractères ici, si à chaque fois vous additionnez vos deux chaînes, à chaque fois vous allez en fait, à chaque étape de l'addition, vous allez recopier, créer une nouvelle chaîne et recopier les choses, qui vous fait une opération quadratique en mémoire, alors que vous avez un joli opérateur join qui permet de dire prends-moi toutes ces chaînes, toutes ces sous-chaînes et fais-moi une grosse chaîne avec. Maintenant qu'on est en train de parler d'objets, il y a une astuce de Python qui permet de ne pas avoir des dictionnaires tout le temps et d'avoir des recherches qui sont plus rapides. La méthode classique pour créer un objet, on a un objet et puis on lui rajoute des attributs, choses comme ça, et on peut rajouter n'importe quel attribut à un objet.
En pratique, en fait, Python a une petite astuce qui s'appelle float, qui permet de définir, de forcer les attributs qu'un objet va pouvoir avoir. Donc on perd de l'extensibilité de Python, mais en échange, tout ce qui est création est beaucoup plus rapide. Il ne va pas créer un dictionnaire, il ne va pas. Il va pouvoir avoir des choses directement à la bonne taille, ce qui fait que sur des petits objets qui sont créés très souvent, on peut avoir des améliorations de performance de 25%, ce qui sont toujours ça de gagner. Maintenant qu'on a parlé de la création d'objets, on peut parler de destruction d'objets. Donc, ce qui est bien en Python, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer la mémoire parce que Python le gère pour nous, mais du coup, Python le gère pour nous avec des heuristiques qui ne sont pas toujours très très bonnes. Donc il y a un ramasse-miettes dans Python, ou un garbage collector, qui va régulièrement chercher tous les objets qui sont morts, donc qui sont référencés par personne, pour pouvoir les libérer la mémoire qui est attachée. La manière, il se lance de différentes manières, mais une des manières qui se déclenche souvent, c'est que tous les, je ne sais plus combien de pourcents, il y a une heuristique qui change un peu à chaque fois, enfin qui est plus subtile que juste 1%. À chaque fois que vous créez des conteneurs, il y a une chance que le ramasse-miettes se déclenche. Et en fait, les conteneurs, c'est à peu près tout en Python. Donc il y a les tuples, ça arrive très vite. Si vous avez une fonction qui retourne plusieurs valeurs, vous aurez créé un tuple. Ou si vous créez des dictionnaires, donc quand vous créez un objet, ben, vous créez un dictionnaire pour cet objet. Les listes, tout ça. Donc très rapidement, on crée, peut très facilement créer beaucoup de listes en Python à des moments où ce n'est pas toujours pertinent de lancer le garbage collector qui peut être assez coûteux. Donc sur des grosses opérations, ça peut être rentable, par exemple, si vous parsez une grosse liste et que vous savez que vous allez créer beaucoup de conteneurs mais que vous n'allez pas exploser de la mémoire, ça peut être utile de désactiver le garbage collector et de le réactiver que à la fin pour qu'il fasse qu'une seule passe sur le truc plutôt que 5 ou 6 passes au milieu de votre chose. On a observé des gains de jusqu'à 25% sur des choses visibles de l'utilisateur juste en retirant ça, enfin en désactivant le garbage collector sur des éléments à des moments clés. On va maintenant parler de. On va moins parler des choses horribles qu'on fait avec Python pour que ça aille plus vite, et plus parler des choses horribles qu'on fait parce que c'est flexible et que du coup, on peut faire des choses sympas. Alors, on va commencer par parler de tous les trucs que les gens se sont dit que c'était une bonne idée et, ces dernières années, et maintenant, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Pour une raison obscure, les gens se sont dit que les listes, c'était quand même très fatigant à créer. Et du coup, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient mettre des mots avec des espaces et qu'ils allaient utiliser splits parce que c'était super pratique et ça permettait de créer une liste. C'est mignon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et c'est assez chiant à gérer dans le code. Donc, si quelqu'un a cette bonne idée, il ne faut pas l'avoir. Une autre erreur qui est classique, et que je vois un peu partout, c'est none, c'est une valeur qui est très bien pour faire des valeurs par défaut, pour dire que c'est pas initialisé, ce genre de choses. Mais et ça a une propriété intéressante que c'est faux. Et du coup, les gens, ils aiment bien se dire, bon, ben, pour tester que la valeur par défaut est none, ben, je vais me dire if a, enfin, ou if not a, et puis ça suffira. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Votre objet peut être faux, vous pouvez avoir une liste qui se retrouve être fausse, vous pouvez avoir une chaîne de caractères qui se retrouve être fausse, et donc il y a un certain nombre de cas où vous avez des valeurs qui sont tout à fait légitimes et pas des valeurs par défaut, qui sont traitées comme valeurs fausses, enfin comme valeurs par défaut, sous prétexte qu'elles sont fausses. Donc si vous utilisez none pour une valeur quelque chose, pour une valeur quelconque, testez none explicitement, if a is none, if a is not none, ce genre de choses. Ça va vous sauver beaucoup de temps de recherche de bugs plus tard. Un autre classique, c'est mettre des valeurs mutables comme valeurs par défaut des arguments. L'objet est créé au tout début de la création de la fonction. Et du coup, si vous changez cet objet, vous le changez pour toutes les appels de fonction derrière, ce qui donne des bugs assez drôles et sympas à débugger aussi. Il y a aussi pas mal de gens qui ont appris Python avec Mercurial il y a 10 ans et qui se sont dit, c'est trop bien, Python, on peut faire des closures. Les closures, c'est définir une fonction dans une fonction, donc ça capture des arguments, ça permet de construire des fonctions de 600 lignes avec 25 variables qui sont partagées par 40 closures différentes avec des closures dans les closures. C'est plutôt une mauvaise idée, on va voir après aussi pourquoi c'est une mauvaise idée. Donc les closures, c'est bien, mais seulement si vous en avez vraiment besoin pour capturer vraiment un état, pour faire un callback ou ce genre de choses. Sinon, avoir un nombre de variables décent et faire des fonctions qui s'appellent les unes les autres, c'est bien aussi.
On va parler un peu du système d'extension de MySQL maintenant. Un des trucs qui est bien dans MySQL, c'est que c'est très facile à étendre. Et c'est très facile à étendre principalement parce qu'avec Python, on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc l'idée générale d'une extension MySQL, c'est que c'est un module Python qui a un certain nombre de variables et de fonctions avec des noms prédéfinis qui vont pouvoir étendre des bouts de Mercurial ou monkey-patcher des bouts de Mercurial, donc changer du code directement dans le cœur de Mercurial. On a des points d'extension à peu près officiels et clairs pour les choses qui sont très courants. Et puis après, c'est du Python, donc les gens peuvent faire n'importe quoi à n'importe quel niveau, ce qui est pratique pour tester des choses, pas forcément très pratique pour maintenir, pour maintenir à long terme, donc les gens ont tendance à pas faire n'importe quoi pendant trop longtemps. Mais c'est assez pratique pour tester des choses. Donc, la manière dont ça marche, basiquement, pour une fonction, c'est que vous définissez une nouvelle fonction qui va prendre la fonction originelle en argument, plus quelques autres trucs, et après vous avez un moyen de dire bon ben ma nouvelle fonction elle s'appelle autour de la fonction originelle. Donc par exemple là, si jamais quelqu'un appelle la fonction junk babar de Mercurial, et ben on affichera babar n'est pas mort et après on appellera la fonction normale. On a des utilisations plus crédibles que ça, mais donc ça reste à peu près encore, c'est assez simple et ça arrive souvent. Il y a un certain nombre de moments où on veut modifier le comportement d'objets eux-mêmes. Et donc là, on peut faire des choses plus drôles. En fait, en Python, on peut définir une classe n'importe quand, à partir de à peu près n'importe quoi. Donc on peut avoir... ça, c'est des fonctions qui sont définies autour des objets un peu clés de Mercurial. Donc, par exemple, quand on crée un objet dépôt, on va aussi appeler repos setup. Et dans repos setup, on peut décider de créer une nouvelle classe qui hérite de la classe actuelle de repo, qui peut être à peu près n'importe quoi parce que d'autres extensions peuvent être passées avant. On peut définir de nouvelles méthodes là-dedans. Et après, là où ça devient magique avec Python, c'est qu'on peut dire que en fait, la classe du repo, eh ben, c'est le truc qu'on vient de définir. Et ça marche bien. Ça fait un peu peur, mais si on ne fait pas trop ça n'importe comment, ça marche plutôt bien. Ok. C'est fini ou ok. Il y a des cas un peu où c'est un peu plus compliqué, on peut pas des processus avec plusieurs étapes et choses comme ça, donc on est obligé de faire des choses un peu plus subtiles, comme avoir le cas classique, c'est si vous voulez préparer un push ou un pull, vous voulez préparer plusieurs choses, et donc vous pouvez pas avoir une fonction qui est wrappable par tout le monde parce que vous voulez une plus fine granularité. Du coup, on a des astuces comme une liste avec un nom. Si on avait juste une liste de fonctions, ce serait difficile de trouver quelle fonction on veut changer dedans. Donc on a une liste avec le nom de toutes les étapes qu'on veut faire. Un dictionnaire qui a disparu du slide parce que c'est du LaTeX et que c'est des parenthèses. Enfin, pas des accolades. Qui donne un mapping entre la clé et la fonction. Ce qui va permettre aux extensions de pouvoir rajouter des étapes, modifier l'ordre des étapes et aussi changer comment chaque étape est traitée. Là, ça a l'air un peu verbeux, mais on a des solutions magiques pour que ça soit moins pénible après. C'est là où la syntaxe de Python est sympa. On peut faire des décorateurs pour enregistrer plein de choses et pour cacher toute cette complexité de comment les choses marchent. Ça, c'est un exemple de décorateur qui dit que la fonction d'après, c'est une commande Mercurial qu'on va pouvoir taper en faisant AG quelque chose. Et donc, on a le nom de la fonction, les options qu'elle prend de base, un bout de son aide, ce genre de choses. Un autre truc qui permet de faire tout ce wrapping et cette complexité sans que ce soit l'enfer, c'est les arguments larges de Python, où j'ai une étoile en trop. On peut lui dire, prends-moi tous les arguments non nommés, avec args, qui devrait avoir qu'une seule étoile, et prends-moi tous les arguments nommés, avec kargs, et en dessous, une fonction peut décider de prendre juste les arguments qui l'intéressent et de passer aveuglément tout le reste à la fonction d'en dessous, ce qui va permettre à plusieurs fonctions de rajouter des arguments, de retirer des arguments sans se marcher dessus. De la même manière, on a tendance à retourner des dictionnaires à la place de retourner des tuples, parce que ça permet de rajouter du retour à une fonction sans trop de problèmes, et de traiter à peu près n'importe quel retour de cette fonction, à la place de devoir modifier tous les gens qui wrappent cette fonction, au moment de, à chaque fois qu'on a besoin de changer un élément là-dedans.
Ensuite, on peut gérer les extensions qui ne sont pas dans le cœur de Mercurial. On a besoin de gérer plusieurs versions de Mercurial pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur. Et là, l'introspection de Python est très pratique. Il y a une fonction magique qui s'appelle AsAttr, qui permet de savoir si un objet a une fonction ou un attribut ou pas, et qui va permettre de assez précisément savoir si le Mercurial qu'on utilise avec l'extension supporte une fonctionnalité ou pas. Donc AsAttr, c'est magique. Mais en fait, non, parce que AsAttr, ça va récupérer toutes les exceptions levées par l'accès à cet attribut, y compris si votre attribut est une propriété, donc en fait un attribut qui est calculé. Si cette chose lève n'importe quel type d'exception, une vraie erreur dedans, il va considérer que l'attribut n'existe pas. Et en particulier, ça devient pénible quand vous faites de l'import par SE, parce que quand vous voulez savoir si votre module a une fonction, ou une méthode, ben vous n'allez pas avoir l'information parce que si l'import du module crash, ça va être vu comme un attribut qui ne manque pas là. Du coup, on a une fonction magique qui s'appelle self-AsAttr qui va faire la bonne chose et juste détecter si l'attribut n'est pas là. On a aussi une documentation qui est conséquente à ce niveau-là. On va prévenir les gros changements d'API interne pour les gens qui maintiennent l'extension. Et on a aussi un système de petits warnings pour nos développeurs qui va leur dire « Attention, cette API est en train de partir, vous devriez changer. » Voilà. Merci beaucoup, on passe aux questions. Je voulais te demander surtout sur les premier slide, donc sur les optimisations, oui. Il y a pas mal d'optimisations qui sont faites au détriment de la visibilité. Est-ce qu'il y a un endroit dans la documentation, une charte de bonne conduite pour faire des choix, c'est-à-dire dans une fonction, ou jusqu'où on va dans le code de Mercurial pour perdre en lisibilité mais gagner en performance? On n'a souvent pas énormément de fonctions qui sont chaudes, dans le sens qu'ils sont appelés énormément avec beaucoup de boucles. Enfin, des boucles qui sont énormément utilisées, elles sont que dans certains modules et que dans certaines classes de ces certains modules. Donc généralement, les trucs affreux comme ça sont restreints à ces modules-là, qui sont du coup moins lisibles. L'alternative à ces trucs moins lisibles, c'est de passer ces fonctions en C, ce qui arrive aussi assez souvent, et ce qui n'est pas forcément un gain d'un point de vue lisibilité et maintenance. J'ai une question. Ok. Optimisation sur en gros prendre les attributs et les mettre en haut d'une boucle, ce genre de choses. Est-ce que PyPy ne le fait pas déjà, par exemple si vous voulez utiliser PyPy, ou alors peut-être utiliser Citon pour avoir une pré-compilation pour que ce soit le compilateur qui de faire ça? Alors, Citon, ça transforme tous nos objets en gros classés qui sont du coup plus extensibles et qui cassent tout notre système d'extension. Et on a un outil en ligne de commande qui retourne l'essentiel de ses résultats en un quart de seconde. Et PyPy, il faut une dizaine de milliers de boucles surtout pour commencer à faire de l'optimisation. Et du coup, les trucs qui tournent en moins de 30 secondes, ça ne vaut pas le coup. Il y a des idées pour faire des choses malignes avec PyPy où on enregistre l'état chaud, ce genre de choses, mais c'est plus compliqué que juste utiliser PyPy. Et juste, à un moment, tu parles de désactiver le garbage collector à la demande. Oui. Est-ce que tu as un exemple de comment le faire en Python? Oui, il y a un module GC. Tu fais import GC, tu fais gc.disable, parenthèse, parenthèse, et après gc.enable, parenthèse, parenthèse. Voilà. J'aurais aimé savoir en fait à partir de combien de temps c'est rentable de faire des alias sur quand on a vu sortir les noms de méthodes des boucles. Il faut que la boucle fasse à peu près combien d'itérations pour que ça soit rentable de créer un alias? Quelques dizaines, centaines de milliers. Ah ok. Dans de l'ordre du millier, ça va dépendre de ce que fait la boucle et combien de fois elle est appelée, mais c'est pas pour des boucles qui font 10, c'est plus pour des boucles qui font des milliers de trucs. D'accord, c'est des grosses boucles. Excusez-moi, mes questions, elles sont peut-être un peu basiques, mais
ça permet d'optimiser le code, c'est ça que vous dites. La plupart des choses que j'ai présentées en première partie permettent d'avoir du code qui est plus rapide sur des éléments qui sont critiques. Et du coup, ça permet d'avoir un outil qui est plus réactif. Enfin, ça permet d'aller plus vite. Par rapport à Mercurial, c'est l'équivalent de Git. Oui. Quand j'ai un programme Python, je me suis GitHub, par exemple. Mm-hmm. Alors ça c'est pour le code de Mercurial lui-même. Mercurial, l'outil, est écrit en Python, et donc c'est la vitesse de l'outil en lui-même, pas de ce que Mercurial gère. C'est-à-dire qu'avec Mercurial, les bibliothèques sont plus rapides, c'est ça que vous dites ? Non, l'outil Mercurial lui-même est plus rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais peut-être vous inviter à prendre la pause. Non ? Merci.